de la houle en hausse et du vent onshore qui se calme ce soir sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à dégager. Une température extérieure à 24 degrés, dans l'eau 22 degrés. La marée est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 21h10 avec des coefficients importants de 84. Et sur cette marée qui remonte, le vent est plein ouest. Il est faible à modéré. Un beau fort établi des rafales à 2. Il est en train de se calmer. Le plan d'eau reste quand même ridé à clapot. Les phases de vagues sont ridées. Et on a une houle qui était le courte à moyenne, 7 à 8 secondes de période, orientée ouest à ouest, nord-ouest. Une houle qui est multipique et à la hausse. Il y a maintenant 50 à 80 cm en déferlement régulier, comme cette taille-là. Série qui rentre fréquemment à la hauteur du mètre. Et de temps à autre, on commence déjà à avoir des séries à la hauteur de 1,20 m. Donc des vagues qui sont de qualité moyenne, mais qui s'améliore là avec la marée qui monte. Bon, c'est pas la folie, hein. C'est multipique, désordonné, assez aléatoire. Là, on voit la dernière série du jour avec en vert encore le canolé Lucas Aubron. Et c'est le meilleur spot celui-là. Mais les autres endroits, il y a des vagues. C'est multipique, un peu mou, zone de déferlement aléatoire, une barre qui est facile à franchir, des vagues qui ne sont pas sélectives, c'est servable pour tout le monde. Débutant, comme confirmé, en petite comme en grande planche. Pour la toute fin de journée, le vent, attention, il doit faire la girouette, il doit repasser au sud et se renforcer. À voir si ça va faire ça, c'est pas sûr. Les vagues, elles vont grossir. Sur la fin de journée, il y aura 1 mètre, 1,20 m régulier, sans problème. Pour demain, mercredi, on a un train de houle qui grossit copieux le matin et qui se tasse ensuite pour le reste de la journée. Une tendance de vent de sud le matin qui passe onshore et qui faiblit ensuite. Attention, l'indice de confiance est faible pour le vent pour toute la journée de demain. La bouée côtière de Brest est à la hausse, à 1,30 m et 8 secondes. Et donc les prévisions pour demain, qui est le mercredi 17 août, ça nous donne à 9h 1,50 m à 2 m. Ou d'ouest-nord-ouest à ouest avec 10 secondes de période, dans le sud-sud-est à 2, 3 au fort. À 13h 1,80 m. Ou d'ouest-nord-ouest à ouest avec 10 secondes de période, vent d'ouest à 3 beaufort, et à 17h 1,50 m, ou d'ouest nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent ouest-sud-ouest à 2 beaufort. Il y a plus sûr que de l'action demain toute la journée. Surveillez le vent, indice de confiance faible pour le vent toute la journée, mais à mon avis, il y aura des vagues solides, multipiques, un peu désordonnées, mais avec des bambous sur les meilleurs bancs, à marée haute comme à marée basse. Le premier point, demain matin, il est sur le 08 92 29 78 73 à 6h30. And counting down to finish this last day in 5, 4, 3, 2, 1. Time is over for the seat number 16.